Bonjour. In this session of French Beginners course, I would like to present the second chapter of Bon Voyage. This chapter is, however, not the focus of our learning for this week, just because, as I was saying, the grammar is not new and has already been presented in the first week. Second chapter of Bon Voyage only presents the definite article and indefinite article in plural form, but we've learned in the first week all the forms of the articles. Also, the vocabulary refers mostly to a school setting and pertains to the classroom setting. Either way, it's important vocabulary to know, so without, you know, risking to lose any information, I'm just gonna go ahead and present this material, and then tomorrow I'll present the third chapter from Bon Voyage, which will be the focus of this week's learning. Alors, Bon Voyage, so the chapter, at the very end of the chapter you will find the vocabulary. So I think in a sense it would make more sense to start your learning backwards. So go all the way at the end of the chapter of the PDF file, learn the vocabulary, and then go back to the beginning of the chapter, and then by that time you'll already feel comfortable recognizing the vocabulary in context. So translation will be one less worry to, you know, one less thing to think about. You just have to focus on the context and possibly the grammar. Alors, identifying a person or thing, un professeur, and the shorter version of that, the one especially that young people use among them, un prof, une prof. So it's invariable, the short version, it's invariable for gender. Only you can use the marker, for instance in this case the indefinite article, to mark whether it's feminine or masculine, or the context. Un prof, une prof. Un copain, une copine. Un lycée, une salle de classe. Un cours, une classe. Une matière, a subject. So, un professeur, un prof, une prof, a teacher. Un copain, une copine, can be a classmate or a friend. Un lycée, a high school. Une salle de classe, a classroom. Un cours, a class. Une classe, it's more like a classroom, a physical classroom. Une matière, a subject. Identifying school subjects. Les sciences naturelles. Natural sciences. La biologie, la chimie, la physique, biology, chemistry, physics. Les mathématiques, or the shorter version, les maths. L'algèbre, la géométrie, la trigonométrie, le calcul, les langues, foreign languages, le français, l'espagnol, l'italien, l'allemand, l'anglais, le latin, les sciences sociales, social sciences, l'histoire, la géographie, l'économie, d'autres matières, other subjects, la littérature, l'informatique, la gymnastique, la musique, le dessin. Describing teachers, students and courses. Facile, easy. Difficile, difficult. Strict. Intéressant, intéressante. Fort, forte, be good at. Être fort, être forte.
je suis forte, je sais pas, en histoire, je suis forte en français, je suis mauvaise, be bad at. Be bad at, je suis mauvaise en maths. I'm bad with math. Agreeing and disagreeing. Tu es d'accord? Do you agree? Oui, je suis d'accord. Yes, I agree. Non, je ne suis pas d'accord. No, I don't agree or I disagree. C'est vrai. It's true. Ce n'est pas vrai. It's not true. Or the spoken version, c'est pas vrai. Or even shorter than that, pas vrai. Not true. I don't believe it. One remark here, as we know, the negative is created with ne and pas around the verb, right? Now, in spoken language, we tend to drop the ne and just mark the negative with pas. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Or just pas vrai. Let's see another example. Je n'aime pas. Well, je n'aime pas le jazz. I don't like jazz. J'aime pas. I don't like. J'aime pas. Je n'aime pas. J'aime pas. Je ne suis pas d'accord. We can also say, we can also drop the ne. But here, there's a phonetic or pronunciation change a little bit. Je suis pas. Je plus suis become suis. Je suis pas d'accord. Je n'ai pas le temps. I don't have time. I don't have the time. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Voilà. Other useful words and expressions. Un cours de français, maths, etc. OK? During the class. Un cours de. Même. Can be same. Tous, all, trop, too much. Juste un peu, just a little bit. Juste un peu. OK? Alors, vocabulary review. Now we feel confident to go back to the top. Les cours et les profs. Bon. Il y a une salle de classe. There's a classroom. Un professeur. Une table, une chaise, a table, a chair. Les élèves et les profs. Les professeurs. La prof, le prof. Les amis, les copains, les amis, les copines. Karine et Stéphanie sont françaises. Karine et Stéphanie are French. Pierre et Alexandre sont français aussi. So these are structures that we've seen in the first chapter as well. Karine et Stéphanie are French. Pierre and Alexandre are also French. Les quatre copains sont de Rouen. The four friends are from Rouen. Ils sont élèves dans le même lycée. They are students in the same high school. Ils sont tous très sympathiques. They're all very, pleasant. Fun people. Comment sont les cours? How are the classes? We are giving the description of the setting a little bit. La salle de classe, the classroom, la classe, the class, les élèves. Le cours de français est facile.
The French class, it's easy. La prof n'est pas trop stricte. The teacher is not very strict. Juste un peu. Just a little bit. Mais les cours de sciences sont vraiment difficiles. Toi, tu es d'accord ou pas? But the science classes are really difficult. Don't you agree? Non, je ne suis pas d'accord. No, I disagree. Pour moi, les cours de sciences sont très faciles. For me, the science classes are very easy. Quel est le mot? What's the word? Deux copines françaises. Two French friends. Léa et Touria sont françaises ou américaines? Voilà. Ça, c'est là. En Rennes, hein? En France. Léa et Touria sont, on dirait, let's say, françaises. Okay? Elles sont copines. Are they friends? Oui, elles sont copines. Elles sont de Rennes. Are they from Rennes? Oui, elles sont de Rennes. They are from Rennes. Elles sont élèves dans le même lycée. Are they students in the same high school? Let's say yes. Oui, elles sont élèves dans le même lycée. Le lycée est à Rennes. Is the high school in Rennes? Oui, le lycée est à Rennes. Elles sont dans la salle de classe. Are they in the classroom? Let's say no, they are in the high school yard. Non, elles sont dans la cour du lycée. Dans la cour du lycée. Ok? Elles ne sont pas dans la salle de classe. They're not in the classroom. Elles ne sont pas dans la salle de classe. Elles sont dans la cour du lycée. Voilà. Deux copains français. In the same fashion, we will make up a story for the two French friends. Paul et Jamal sont français ou américains? Paul et Jamal sont français. Ils sont copains? Oui, ils sont copains. Ils sont amusants? Oui, ils sont amusants. Are they fun? Yes, they're fun. Ils sont sympathiques? Are they cool? Are they nice? Oui, ils sont sympathiques. Ils sont de Rennes? Are they from Rennes? Oui, ils sont de Rennes. Ils sont élèves dans le même lycée? Are they students in the same high school? Let's say yes. Oui, ils sont élèves dans le même lycée. Voilà, so in the same fashion, the first time you had the same sentences in a feminine form. And the second time around, the sentence in a masculine form. Le cours de français. Donnez des réponses personnelles. So, you should give some personal answers regarding the French class. Qui est le ou la prof de français? Il ou elle est sympa. Il ou elle est strict. Il ou elle est de quelle nationalité? What's her nationality or his nationality? Le cours de français est facile ou difficile? Is it difficult or easy? The French class. Pour toi, les cours de sciences sont faciles ou difficiles? What about you? For you, the science classes are easy or difficult? Well, I don't believe you're taking any science classes now. You might be. But if you don't, you can just refer back to your high school days. Pour moi, for me, ça dépend. It depends. J'ai bien aimé les cours de chimie et physique, le cours de géométrie et algèbre. Mais pas la trigonométrie. So I like very much chemistry and physics. And for math classes, I like a lot geometry, especially space geometry and algebra, but not trigonometry or calculus.
Voilà. Alors, le prof idéal ou la prof idéale, the ideal teacher. Intéressante, intelligente, intelligente, sympathique, amusant, amusante, patient, patiente, enthousiaste, strict, strict, dynamique. So, a lot of these words are basically cognates. I like a teacher because the way we would explain, I'd like that a teacher is this way. J'aimerais qu'un professeur soit. It would require you using tenses, verb tenses that you have not learned so far, such as conditional and subjonctif. So, in order to keep it simple, I like a teacher who is. J'aime un professeur. J'aime un professeur intelligent, intéressant, un professeur sympathique et amusant, enthousiaste et surtout, and especially, patient, patient, mais, but, strict, but also, you know, strict, juste un peu, just a little bit. Ok. Et voilà, vocabulaire, les sciences, les matières de classes. We've already seen them in the vocabulary. So I will not insist, but please go ahead and listen to the audio and try to enhance your pronunciation. Un cours de français during the French class. Salut les copains, nous sommes américains. Nous sommes de New York. Et vous, vous êtes américain aussi, n'est-ce pas? So, hello everybody, hello friends or classmates. We are Americans. We come from New York. What about you? You're American also, isn't it? N'est-ce pas? You remember when we learned the interrogative sentence and we've learned the way to ask a question can be with the ending question tag, n'est-ce pas? Isn't it? Or don't you? Monsieur Boursier est le prof de français. Maintenant, nous sommes en cours de français. Mr. Boursier is the French teacher, and now we are during the French class. Nous sommes tous très forts en français. We're all really good in French. C'est pas vrai. That's not true. Vous êtes très mauvais. You're really bad. Or simply put, you suck at it. Bon. Alors, les nombres de 70 à 100. The numbers from 70 to 100. Please listen to the audio. Make sure you pronounce the numbers correctly. And make sure you are able to selectively or randomly say them. Because that's one of the issues with the numbers. We are comfortable saying them, in a row. But when we have to randomly tell them, we have a hard time. But you'll never find numbers in a row in real life, so most likely you'll have to pick them, pick and choose them randomly in a context. So you should make sure that you've repeated them long enough to feel comfortable to do that. Alors, quel est le mot? What's the word? Science ou langue? Sciences or languages? Vrai ou faux? True or false? La chimie est une science. Chemistry is a science. Vrai ou faux? Vrai. L'histoire et la géographie sont des mathématiques. History and geography are mathematics. Faux. Le calcul est une langue. Calculus, it's a language. Une langue étrangère pour moi. A foreign language for me. In a certain way. Mais non, faux. Le latin et l'espagnol sont des langues. Latin and Spanish are languages. Faux.
Vrai. Pour vous, le français est un cours obligatoire. For you, French is a compulsory class. Oh. Ça, c'est une réponse personnelle. That requires a personal answer. Des cours faciles et difficiles. Easy classes and difficult classes. Donnez des réponses personnelles. Le cours de français est facile ou difficile? And let's try answering both ways, and that way we can actually practice our negative forms as well. Le cours de français est facile ou difficile? Le cours de français est facile. Le cours de français est difficile. Non, le cours de français n'est pas difficile. Pour toi, quels sont les cours faciles? Ah bon? What are for you the easy classes? You need to answer with to give personal answers. I will just answer with what I feel is true for me. Voilà. Pour moi, les cours faciles sont les cours de langue étrangère, foreign language classes, le cours de littérature, literature class, le cours d'histoire, de chimie, physique, algèbre et géométrie. Voilà. Quels sont les cours difficiles? Les cours difficiles sont le cours de trigonométrie et calcul. Now, what subject are you the best at? Je suis forte en langue étrangère. Tu es assez mauvaise en quelle matière? What's your, let's say, weakest subject? Je suis mauvaise en trigonométrie et calcul, peut-être? Des élèves américains, American students. Les élèves sont de quelle nationalité? Les élèves sont américains ou les élèves sont de nationalité américaine. Okay, because nationality is feminine. Although the students are male students, or a combination of male female, it doesn't matter whether it's a combination of male female, they're going to be as a group, as a whole, referred to in masculine form. But when we say they are of American nationality, because nationality in French language is a feminine noun, then quel, then American was an adjective, it has become, it's going to take the feminine form. Les élèves sont américains ou, or, les élèves sont de nationalité américaine. Ils sont élèves dans une école secondaire américaine. Oui, ils sont élèves dans une école secondaire américaine. Ils sont en cours de français? Oui, ils sont en cours de français. Le cours de français est facile ou difficile? Is the French class difficult or easy? Le cours de français est difficile. Les élèves sont forts en français? Are the students good in French? Ils ne sont pas forts en français. Ils sont mauvais en français. Voilà. C'est quel cours? What class is it? Identifiez le cours. Alors, c'est le cours de langue.
La conversation, la culture française, c'est le cours de français. Un poème, une pièce de théâtre, une fable, c'est le cours de littérature. Un microbe, a bacteria, un animal, une plante, un microscope, c'est le cours de biologie. Un cercle, un rectangle, un triangle, un parallélogramme, c'est le cours de géométrie. Un piano, un violon, un concert, un opéra, c'est le cours de musique. Les montagnes, the mountains, les villes, the cities, the towns, les villages, the villages, les capitales, les océans, the oceans, c'est le cours de géographie. La peinture, la sculpture, les statues, les artistes, c'est le cours d'art ou de dessin. Une disquette, un moniteur, un microprocesseur, un bit, c'est le cours d'informatique. Of course, we don't use une disquette anymore. Comment est la classe? Your classmates look at the illustration, take turns asking. La classe est virtuelle, surtout. Our classroom is virtual. And it's probably not very easy to describe the blackboard. Bon. The grammar presents the plural of the articles, of the nouns, and of the adjectives. The plural of the articles, of the definite, both definite and indefinite articles, we've already learned it because we're in first week. Just to review it, un garçon, des garçons. Of course, when you put the article in plural, the definite or indefinite article in plural, make sure that the same goes for the noun, and the noun is going to receive the plural mark. For the time being, we're just, trying to focus on the simple rule of the plural for the nouns, that is singular plus ending s, which is the plural mark. However, there are different nouns based on the ending in singular form. They might do the plural differently. Like animal, animal. The plural is animaux, AUX. So probably one of the rules of thumb would be that nouns ending in singular in al are gonna make the plural in AUX. But that's something we'll see a little bit later on. Un garçon, des garçons. Un ami, des amis. Un collège, des collèges. Une fille, des filles. Une amie, des amis. Une école, des écoles. Le garçon, les garçons. L'ami, les amis. Le collège, les collèges. La fille, les filles. L'ami, les amis. L'école, les écoles. Bon. So point two actually explains the plural. In French, you form the plural of most nouns by ending an s, adding an s to the singular form, right? This s, however, is not pronounced. It is the article le or the that lets you know the noun is plural. Un prof, des profs. So the pronunciation of the word prof is the same, but you have the marker of the plural, des profs. La prof, les profs. When a noun is plural, any adjective that describes or modifies it should be in the plural also. You form the plural of most adjectives in French by adding an s to the singular form. The S is not pronounced as well
just like in the case of the noun. La classe est petite. Les classes sont petites. La prof est patiente. Les profs sont patientes. Le lycée est grand. Les lycées sont grands. Le prof est intéressant. Les profs sont intéressants. Un cours, des cours. There are, if you remember, I said some of noun of the nouns are invariable for gender because they already end in e. Some of the adjectives are invariable for gender because they already end in e. So only the context can tell you whether it's a masculine or a feminine adjective or a noun. The same happens for some of the nouns. They can be invariable for number because they already end in s. So in plural, there is no need for us to put the mark of the plural anymore. Un cours, des cours. Comment dit-on? How do you say? How do we say? Ils sont comment? How are they? Le garçon est blanc. Les garçons sont blancs. La fille est blonde. Les filles sont blondes. Le garçon est brun. Les garçons sont bruns. La sœur de Valentin est amusante. Les sœurs de Valentin sont amusantes. Le frère de Stéphane est égoïste. Les frères de Stéphane sont égoïstes. So the change point is going to be in plural form for the verb. And for the plural form of the noun and or the adjectives, depending on the case. Le prof est intéressant. Les profs sont intéressants. And this is also going to receive the mark of the plural. Le cours est assez difficile. Les cours sont assez difficiles. Change point is going to be les. Cours is invariable for a number, so it stays the same. Sont, plural of the third form of the verb être. Assez, invariable. Adverbs stay invariable. Difficile is going to get the plural mark S. La salle de classe est petite. Les salles de classe sont petites. Okay? Petite with S at the end. L'ami de Paul est vraiment sympathique. Les amis de Paul sont vraiment sympathiques. With the mark of plural S. L'élève est très intelligent. Les élèves sont très intelligents. L'ami de Valérie est amusant. Les amis de Valérie sont amusants. S at the end. S the mark of plural. Pour toi. For you. Cité. Name. Deux matières très intéressantes. Pour moi. And using the structure. Pour moi. Deux matières très intéressantes sont. For myself. For me. Two very interesting subjects are, and you can give a personal answer. Deux cours très intéressants. Pour moi, deux cours très intéressants sont. Pour moi, deux écoles excellentes sont Stanford and Yale, maybe. Pour moi, deux élèves sociables sont. Pour moi, deux professeurs stricts sont. Pour moi, deux garçons très sympas sont. Pour moi, deux élèves fortes en géographie sont. Pour moi, deux élèves assez mauvaise, depending on the gender of élève, if you're referring to a male or a female. Deux élèves assez mauvais en musique, sont. Voilà.
And below in the picture below you have the days of the week, I guess, and with the schedule, right? Lundi, mardi, mercredi, voilà. In France, mercredi is usually short day. It's either they have few classes or no classes. Jeudi, vendredi, samedi, but maybe they have a few classes on Saturday. Et dimanche, pas de cours le dimanche. No classes on Sunday. Moi, Sue et Jennifer sont sociables, comme moi. Moi, je ne suis pas d'accord. Elles ne sont pas sociables du tout. Ou elles ne sont pas du tout sociables. Pas du tout sociables. Ok. So, keep in mind this structure. It might come in handy. I know. Marie est, je sais pas, amusante comme moi, just like myself. Moi, je ne suis pas d'accord. I disagree. Elle n'est pas du tout amusante. She's not funny at all. Etc. Le verbe être au pluriel, the verb to be in plural, which when we've learned verb to be, we learned both plural forms and singular forms. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Nous sommes amis, we're friends. Nous, when referring to yourself, another person, or other people. Vous êtes amusant. You're funny. Ils sont sympas. They're cool. They're nice people. Ils sont sympas. They're nice people. Elles sont copines. They're good friends. Ils, elles can also refer to things. Les cours, ils sont très difficiles. Les salles, elles sont petites. That's when, if you're going to use it in this context as presented, il, elle are going to stress a characteristic about the previous subject. The classes, they're small. Vous êtes d'où? Nous, nous sommes de Boston. Alors, vous êtes américain? Oui, nous sommes américains. Et vous? Nous sommes françaises. Nous sommes de Toulouse. Ok, petite conversation. Simple conversation. Vous êtes d'où? Where are you from? Nous, us, nous sommes de Boston. We're from Boston. Alors, then, vous êtes américain. You're American. Oui, nous sommes américains. Yes, we're American. Et vous? What about you? Nous sommes françaises, we're French. Nous sommes de Toulouse, we're from Toulouse. Voilà. Complétez d'après la conversation. Les deux garçons. And I guess most of them you have to fill in the blanks with the appropriate forms of the verb être in plural form. That's something you can definitely do. Les deux garçons sont américains. Ils ne sont pas de New York, ils sont de Boston. Boston est une grande ville américaine. Les deux filles ne sont pas américaines, elles sont françaises. Elles sont de Toulouse. Toulouse est une grande ville française. Voilà. Répondez en utilisant « nous ». Answer by using « nous ». Vous êtes américain, américaine? When giving your answers, let's try to do them both in a positive and negative answer, just so we can practice our negative as well. Vous êtes américain? Oui, nous sommes américains. Non, nous ne sommes pas américains. Nous ne sommes pas américains. Vous êtes d'où?
Well, that right here, it's not a yes/no question, so we cannot answer in negative. Nous sommes de Toulouse, nous sommes de Boston, nous sommes de Jacksonville, de Fayetteville, ainsi de suite. Vous vous êtes élève dans une école secondaire? Oui, nous sommes élèves dans une école secondaire. Non, nous ne sommes pas élèves dans une école secondaire. Vous êtes dans la classe de quel professeur? Nous sommes dans la classe de Mademoiselle Pierre, par exemple. Vous êtes fort en français? Oh, vous êtes forte en français? Oui, nous sommes forts en français. Non, nous ne sommes pas forts en français. Des questions. Posez des questions et répondez d'après le modèle. Américaine, française. Vous êtes américaine, française. Nous sommes françaises. Martiniquaise, américaine. Vous êtes martiniquaise ou américaine? Nous sommes martiniquaise. Petit, grand. Ils sont petits ou grands? Ils sont grands. Sociable, timide. Vous êtes sociable ou timide? Nous sommes sociables. Elles sont brunes ou blondes? Elles sont blondes. L'ami de Christophe, complétez en utilisant le verbe être. So fill in with être. Je suis un ami de Christophe. I'm a friend of Christophe. Christophe est très sympa et très amusant. Christophe is very, it's very cool and very funny. Nous sommes français, Christophe et moi. Me and Christophe, we are French. Nous sommes de Cancale, un petit village breton en Bretagne. We are from Cancale, a small Breton village from Brittany. Cancale est vraiment très pittoresque. Cancale, it's really very picturesque, very, very pretty, beautiful. Nous sommes élèves dans un collège. We are students in a secondary school. Où est le collège? Where is the school? À Dinard. In Dinard. Tous les deux, nous sommes forts en anglais. The both of us, we are strong. We're good at English. Le prof d'anglais, Mademoiselle Fielding est anglaise. The English teacher, Miss Fielding, is English. Elle est de Liverpool. She's from Liverpool. Elle est assez stricte et le cours d'anglais n'est pas facile. She's rather strict and the English class is not easy. Mais les élèves de Mademoiselle Fielding sont très intelligents. But Miss Fielding's students are very intelligent. Voilà. Vous êtes américain? Are you American? Vous êtes américaine, n'est-ce pas? You're American. Aren't you? Isn't it? Oui, nous sommes américains. Nous sommes de, disons, Boston. We are from Boston. Vous êtes élève dans une école secondaire? Are you high school student? Oui, nous sommes
très fort en français. Vraiment? Qui est la prof de français? C'est il, elle est comment? Il, elle est amusant, dynamique, enthousiaste, strict, patient, etc. You're gonna be able to use from the previous material that we studied or from some of the cognates that we've learned. Tu et vous. Talking to people formally or informally. As you already know, there are two ways to say you in French. Tu et vous. You use tu when talking to a friend, a person of your own age, or a family member. Eric, tu es trop timide. Eric, you're too shy. Maman, tu es d'accord? You use vous when talking to two or more people. You also use vous when talking to an older person, a person whom you do not know very well, or anyone to whom you wish to show respect. Vous deux, vous êtes d'accord? Monsieur, s'il vous plaît, vous êtes le professeur de musique? Sir, excuse me, are you the music teacher? The music class teacher? Comment dit-il? How do they say? Vous êtes français? Regardez les photos et posez la question. Tu es français? Tu es français? Vous êtes français? For number four, maybe it would be vous êtes français? Five, vous êtes français? And six, vous êtes français? Because it's an older person. La conversation. Quel prof? What teacher? Vous êtes dans la classe de Madame Martin? Are you in Madame Martin's class? Non, nous sommes dans la classe de Monsieur Lepic. We are in Monsieur Lepic's class. Monsieur Lepic? Bah oui, le prof de maths. Oh yeah, the math teacher. Ah oui, comment est-il? How is he? Un peu strict mais sympa. He's a bit strict but fun. Oui, mais toi et Samuel, vous êtes forts en maths. Yeah, but you and Samuel, you are good at math. Bah, toi aussi. You also. Moi, je suis très mauvais en maths. I'm terrible at math. Je suis complètement nul. I absolutely suck. Ok? Alors, vous avez compris, Anne et Samuel sont dans la classe de Madame Martin. Non, ils ne sont pas dans la classe de Madame Martin. Si, I answer with ils, although it's Anne et Samuel, because I want to avoid using, repeating the same subject, the proper nouns, and I just want to replace it with the subject pronoun, which is going to become ils, because a combination of a male subject and a female subject give the overall masculine plural meaning. Alors, ils ne sont pas dans la classe de Madame Martin. Ils. Voilà, this is an answer for the second question. Ils sont dans la classe de quel professeur? In what teacher's classroom are they? Ils sont dans la classe de Monsieur Lepic. Qui est Monsieur Lepic? Who is Monsieur Lepic? Monsieur Lepic est le professeur de maths, le prof de maths. Il est comment? How is he? Il est un peu strict mais sympa. He is a bit strict but nice. Samuel et Anne sont forts en maths? Oui, ils sont forts en maths. Et Paul, il est fort en maths? What about Paul? Is he good at math? Non, Paul est complètement nul. He is very, very bad.
a bit of more phonetic explanation, pronunciation, les consonnes finales, the ending consonants. As we were saying, les consonnes finales in French language are mute in singular. Petit, amusant, grand, intelligent, intéressant, patient, français, blanc. You also do not pronounce the final S you add to a word to make it plural. Un copain des copains, le garçon des garçons, une copine des copines, la fille, les filles. Tous les copains de Vincent sont sympathiques. All Vincent's friends are nice. Les cours de maths sont très difficiles. Math classes are very difficult. Voilà. And on a to add to the previous explanation, the consonant becomes sonore, as in you can hear it when it's in female. It's in a feminine form, with an, that is when an ending mute e is added. Then we have petite, grande, amusante, intelligente, intéressante, patiente, française, blonde. Voilà. And continuing with a bit of lecture culturelle, which is great because you can actually listen to this. Le français aux États-Unis, the French in the United States. L'influence haïtienne, the Haitian influence. Bonjour, nous sommes Abélan Jean-Baptiste et Nicole Jolicoeur. Nous sommes élèves dans une école secondaire à Miami. Et pour nous, le cours de français est vraiment très facile. And for us, the French class is really very easy. Pour nous, le français n'est pas une langue étrangère. For us, French is not a foreign language. Nous sommes Haïtiens. We are Haitian. Nous sommes de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. We are from Port-au-Prince, Haiti's capital. En Haïti, il y a deux langues. In Haiti, there are two languages. Le français et le créole, French and Creole. Le créole est une langue à base de français, d'espagnol et de divers dialectes africains. Creole is a language that has base of French, Spanish and various African dialects. Do not forget the vocabulary, which is also presented at the bottom at the text. Étranger, étrangère, étranger, étrangère, foreign, une langue étrangère, a foreign language. Il y a, there is, there are. L'influence canadienne, Canadian influence. Et nous, nous sommes Antoine Gagnon et Donald Maillet. Nous sommes de Montpellier, dans le Vermont. Comme beaucoup de personnes de la Nouvelle-Angleterre, nous sommes d'origine canadienne. Et pour nous, le français n'est pas une langue étrangère. And for us, French is not a foreign language. Le français est la langue maternelle des Canadiens français. French is the mother tongue of French Canadians. L'influence Cajun. Bonjour, ici Alice Richard et Pierre Doucet. Nous sommes de Louisiane. Nous sommes Cajuns. Nous les Cajuns, nous sommes des descendants des Acadiens. Les Acadiens sont les Français expulsés de l'Est du Canada par les Anglais. Okay, so the Acadians are the French expelled from the east of Canada by the English. L'influence Cajun est assez forte en Louisiane. Cajun influence or influence it's very strong in Louisiana.
Il y a même deux langues officielles en Louisiane, l'anglais et le français. There are even two official languages in Louisiana, English and French. Vous avez compris? Did you understand? Les Haïtiens, the Haitians, répondaient. Abélard, Jean-Baptiste et Nicole Jolicoeur sont d'où? Where are they from? Pour Abélard et Nicole, le français est facile. For them, is French easy? Ils sont de quelle nationalité? Le créole est à base de quelle langue? After you have la scolarité en France, the school system in France, which explains you a little bit the process and how French students go through school, what they have to do in order to move, to advance in higher education. Voyons un tout petit peu, let's see that. Alors, le collège en France est une école secondaire. Des élèves sont des collégiens. Le collège est obligatoire pour 4 ans. So, the high school is obligatory for 4 years. Après le collège, le lycée est aussi une école secondaire, mais pour 3 ans. So, after those 4 years, they have high school, which is also a secondary school, but for 3 years. Les élèves sont des lycéens. Il y a deux diplômes d'études secondaires, un diplôme professionnel après 2 ans et le baccalauréat après 3 ans. So, there are two certificates for studies, for secondary studies. There is a professional certificate after 2 years, and then after the 3 year one, there is a baccalauréat, what we call the ending of the studies before moving to higher to university education exam, and that's a very strict exam. Le baccalauréat ou le bac est nécessaire pour entrer à l'université. So the baccalauréat or le bac, the way they call it, is necessary in order to move to university, to study, to enter university. Voici l'emploi du temps de Louise Belleroche. Elle est en troisième, l'équivalent de ninth grade. Okay, so here is emploi du temps, the schedule. Emploi du temps, the schedule of Louise Belleroche. She's in troisième, which is equivalent of ninth grade. Il y a combien de cours en troisième en France? How many classes are there in ninth grade in France? And Romania, for instance, adopted the French education system. We also have le baccalauréat. You have to pass this baccalauréat for about 7 subjects, depending on your specialty, if it's sciences or linguistics or whatever. Bon. And then, avez-vous compris the questions? And assessment. This I encourage you to do, although it's non-graded. It will help you very much to practice the grammar, the basic grammar that we're learning, and the vocabulary that you're learning in every chapter. Bon, bah, c'est tout pour maintenant. That's all for now. And I will continue next session with more of the français interactif. And bon voyage. À plus!